Bonjour et bienvenue sur Crypto NCF, notre chaîne. Ici, nous vous parlons de crypto-monnaie, d'investissement. Nous vous parlons également de la sécurité de vos crypto-monnaies et nous dénichons pour vous des pépites. Aujourd'hui, nous allons parler une fois encore de Liquid Loans. Liquid Loans, c'est quoi? Liquid Loans, c'est ce protocole de prêt sur la Pulse Chain qui vous permettra de staker vos Pulse et d'avoir en retour des USDL et des tokens loans. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la phase de sacrifice ou de la phase de pourvoi de liquidité qui est arrivée à une certaine étape. La phase de sacrifice, c'est quoi? C'est la phase pendant laquelle on dépose de la liquidité pour obtenir en retour des tokens loans. Et les tokens loans vont servir à quoi? Les tokens loans vont servir à les mettre dans cette pool de liquidités pour recevoir des PLS et des USDL. J'ai traduit en français, en anglais, c'est un peu plus parlant. Donc, on pourra créer un prêt de façon, c'est-à-dire de façon unilatérale, un prêt de façon automatique. Il n'y a pas de clé d'admin. Il y a, regardez là, sans intérêt. Protocole immuable, on n'a pas de clé d'admin, c'est sans gouvernance et ça résistera à la censure. Donc c'est une politique monétaire algorithmique. N'importe qui, n'importe où dans le monde qui aura staké ses tokens, qui aura participé à une pool de liquidité, à n'importe quel moment pourra venir faire des emprunts à taux zéro. Et un avantage encore, c'est que les prêts ne sont pas taxables. Donc c'est vraiment c'est très bien. En fait, c'est quelque chose de vraiment bien. Donc aujourd'hui, comme je vous ai dit tantôt, nous allons parler du sacrifice. Le sacrifice, comme je vous l'ai dit, c'est la phase où on pourvoit de la liquidité pour pouvoir avoir des tokens loan qu'on va staker pour gagner des tokens PLS qui sont les tokens de la Pulse Chain. Je retraduis en anglais pour que vous puissiez voir. Langue détectée. Voilà, deposit loan. On va déposer pour recevoir des PLS et recevoir des USDL. Vous voyez? Donc, une fois que vous aurez vos tokens PLS, vous pouvez générer des USDL. Mais aujourd'hui, en fait, en pourvoyant de la liquidité, vous allez recevoir des tokens loan que vous pourrez déposer ici. Vous pouvez staker pour recevoir en retour des PLS et des USDL. Donc voilà à quoi va servir le token loan. Et un USDL sera l'équivalent de un USD. Vous allez utiliser donc vos tokens PLS si vous en avez comme collatéral pour pouvoir emprunter. Si vous n'en avez pas, vous pourrez les générer en déposant des tokens loan. C'est pour cela qu'il y a une phase de sacrifice, phase dans laquelle on donne de la liquidité et en retour, on reçoit des tokens loan qu'on pourra staker dans ces pools. Aujourd'hui, cette phase de sacrifice-là, vous pouvez une fois sur le site cliquer là pour aller sur cette page-là. Donc, sur cette page-ci, vous avez là, un monitoring, ou du moins un diagramme, un graphique qui vous montre l'évolution du sacrifice. On est au jour 10 et il reste combien de minutes? Il reste 3 heures pour obtenir encore 10 000 points. Et ces 10 000 points qui représenteront, une fois que ce sera lancé, 10 000 dollars loans. Si vous ne le faites pas aujourd'hui, lorsqu'on va arriver au jour 11, comme vous pouvez le voir là, eh ben on va changer le taux. Ce sera 1,05 dollars pour 10 000 points. Et si vous attendez progressivement, au dernier jour, vous aurez environ 10 000 points pour 2,5 dollars. Donc, vous pouvez encore le faire. Dépêchez-vous, faites vos propres recherches et investissez si vous le sentez vraiment. Une chose importante que je voulais souligner également, c'est lorsque vous sacrifiez ou lorsque vous pourvoyez de la liquidité, vous pouvez choisir
Si vous obtenez vos 10 000 points aujourd'hui, ou dans 6 mois, ou dans 12 mois, ou dans 24 mois. Pour cela, je vous montrerai par exemple ce que moi j'ai fait pour obtenir les 10 000 points pour les obtenir dans 6 mois. Et c'est expliqué quelque part ici. Voilà. Donc, si vous voulez un délai de 0 mois, vous avez 0,00. Un délai de 24 mois, vous avez 0,24. Un délai de 3 mois, vous avez 0,03. Sachant que lorsque vous retardez la réception de vos token loan, vous en recevez un peu plus. Donc, moi, vous pouvez le voir dans mon MetaMask, j'ai envoyé, donc là, 100 BUSD vers cette adresse-là pour obtenir dans 6 mois, donc 100,06. Donc je vais les recevoir dans 6 mois. Vous voyez, ça a cliqué de l'on. Je vais les recevoir dans 6 mois. C'est moi qui les renommé ainsi. Hein. Donc ne vous en faites pas si vous n'avez pas ça a cliqué de l'on. Donc 100,06, ça fait que j'ai retardé la réception de mes tokens de 6 mois. Une partie de mes tokens, bien sûr, pour 6 mois. Ça fait que dans 6 mois, je vais recevoir 10 000 fois 100 fois 1,72. Donc, j'ai un multiplicateur de 1,1,72 sur mes tokens. Donc, voilà. À ce jour, donc, autre chose que je vais vous montrer, à ce jour, si on va sur Etherscan, on verra qu'on a 32 millions 500 000 dollars de sacrifiés pour ce projet-là. C'est juste énorme. Un projet qui n'a pas encore démarré et qui a déjà une liquidité de 32 millions de dollars. Et j'irai même plus loin. Il y en a plus que ça. Parce que si vous prenez là, par exemple, on était sur Etherscan, la même adresse sur BSC Scan, on a environ 4 370 000 dollars sur BSC Scan. Et il y a plusieurs autres, Polygon Scan, FTM Scan, Snowtrace, Robston, donc ça c'est, je crois, Etherscan toujours, Chrono Scan. Donc en gros, on peut dire, en gros, qu'à ce jour, donc au jour 10, on est environ à 40-45 millions de dollars qui ont été sacrifiés pour ce projet. 45 millions de dollars qui ont été pourvus pour ce projet. Donc ce n'est pas de la rigolade. Bien sûr, faites vos propres recherches et investissez si vous en avez besoin, si vous sentez le désir de le faire. Ce sera quelque chose de complètement autonome, de complètement décentralisé. Et si vous faites partie de cette aventure-là, ça ne pourra être que à votre bénéfice. Bien sûr, une fois encore, je ne suis pas conseiller financier, faites vos propres investigations. Donc, je vous remercie de votre aimable attention et je vous prierai de liker la vidéo, de la partager et de vous abonner à la chaîne pour m'encourager à faire encore d'autres vidéos comme celle-ci. Je vous remercie, à très bientôt. Ciao.